Bonjour à tous, on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel avec ce résumé du mois de septembre. Comme d'habitude, on aura quatre catégories, beauté, mode, lifestyle et puis série, livre, domaine un peu culturel si on peut dire. Comme d'habitude, la vidéo sera chapitrée autour de ces quatre catégories, ce qui vous permet éventuellement d'aller directement à ce qui vous intéresse ou de passer ce qui ne vous intéresse pas. Comme d'habitude, je vais commencer avec la beauté. J'ai quelques petits produits à vous présenter et je commence avec le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. C'est un produit que je ne connaissais pas du tout. Il est très très populaire dans la marque, ça fait plusieurs années qu'il existe. Je ne l'avais jamais essayé et je dois dire que c'est vraiment une belle découverte. Le packaging déjà est super pratique, c'est un packaging en alu qui ne prend pas beaucoup de place. Le produit est fantastique, ça sent bon, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup, je lui ai mis une bonne claque déjà. J'ai quasiment fini, c'est un beurre qui se transforme en huile sur la peau et qui justement fond assez vite en huile, ce qui est très agréable. Il démaquille super bien, les yeux, j'ai pas besoin d'insister, ça part tout de suite. Après moi je porte pas de mascara waterproof, mais quand même je trouve que ça démaquille quand même très bien, ça me pique pas les yeux, ça fait pas de voile sur les yeux. Il se rince très très bien, il s'émulsionne et il se rince hyper bien. Je le trouve top, il est vraiment super agréable à utiliser. Il est vraiment gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, un deuxième produit de la marque The Body Shop, c'est le gel douche au pamplemousse rose. J'en avais fait un post sur Instagram. C'est un gel douche que je connais déjà et que j'ai acheté il y a des années. J'en ai vidé plusieurs flacons. C'est un gel douche que j'adorais. Et du coup, quand j'avais fait ma commande chez The Body Shop, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y revenir. Et voilà. J'adore cette odeur, c'est une odeur de pamplemousse que j'aime beaucoup, c'est très frais. J'aime beaucoup les odeurs d'agrumes de manière générale, mais dans les gels douche, je trouve ça super agréable. C'est un côté vivifiant que j'aime beaucoup, surtout le matin. Je peux rien dire de plus, c'est un super gel douche, il sent très très bon. J'ai bien envie du coup de me reprendre peut-être le beurre corporel dans cette gamme-là, s'il existe encore. Faudrait que je regarde. Ensuite, dernier produit beauté, c'est la brume de chez Claire's, donc la Fundamental Ampoule Mist, qui est une brume assez liquide, mais pas complètement non plus. Elle a un petit côté riche, avec un petit format spray comme ça, que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé dans ma vidéo HAK Beauty. J'ai un énorme coup de cœur pour ce produit, je la trouve vraiment top. Moi, je m'en sers le soir plutôt. Une fois que j'ai appliqué mon sérum à l'acide hyaluronique, je me passe un petit coup de brume pour venir un peu le gorger en eau. Et en fait, cette brume, elle a l'avantage d'être très hydratante et elle a un petit côté nourrissant sans que ce soit gras ou poisseux. Je ne sais pas trop finalement ce qu'il y a dedans parce que tout est écrit en coréen, mais je la trouve vraiment top. J'ai jamais vu un produit comme ça ailleurs, une brume comme ça qui... Voilà, c'est pas juste de l'eau, il y a quelque chose en plus. Énorme coup de cœur pour ce produit, d'autant plus que son format est super pratique. C'est tout pour la beauté, j'avais pas grand chose. Alors, concernant la mode, j'ai pas grand chose à vous présenter puisque je vous ai fait donc la dernière vidéo, c'était une vidéo mode sur mes indispensables de l'automne. Donc je vais pas. J'avais pas envie de faire de la répétition. Surtout que là, septembre, c'est un peu une période intermédiaire. J'ai pas fait d'achat mode ces derniers temps. J'ai plutôt acheté en fait des palmes et des maillots de bain pour mes cours de natation. Voilà, mais en dehors de ça, je n'ai pas fait d'achat mode. Ça fait un petit moment. J'ai besoin de rien. J'ai pas mal de choses déjà. Il n'y a rien qui me fait trop envie. J'ai pas trop envie non plus de me séparer de certaines pièces de mon dressing. J'ai pas envie de faire de vide. Ce que j'aime convient. Donc, j'ai pas envie d'acheter non plus parce que l'idée, en fait, ce serait de vider pour acheter et non pas d'acheter sans vider pour éviter d'accumuler. Donc, je suis contente finalement de retrouver, par exemple, mes chemises, etc., que j'ai déjà depuis plusieurs saisons. Et je suis toujours aussi contente de les porter. Donc, au final, j'ai rien acheté. Par contre, j'avais envie de revenir sur... une question qui était revenue pas mal de fois quand j'avais fait ma vidéo sur les achats de luxe, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je vous en ai parlé un peu brièvement aussi dans mes indispensables mode de ma dernière vidéo, mais c'était pas trop le but de la vidéo, j'avais pas trop envie de m'étendre sur le sujet pour pas que ce soit trop long non plus.
Mais j'avais eu pas mal de questions sur les bracelets de chez Hermès. Donc moi, j'en possède pas mal. C'est des bracelets que j'aime bien. Je suis pas très bijoux. Enfin, oui et non. Mais si, enfin, je suis moins bijoux que j'ai été. C'est vrai que maintenant, je porte pas tellement de bijoux. Je porte souvent les mêmes bijoux. C'est des bijoux qui ont une symbolique particulière. Et en revanche, j'ai jamais été bracelet. C'est un truc qui m'énerve parce que je trouve ça chiant à mettre le matin, parce que ça se prend partout, parce que ça fait du bruit, enfin, etc. Et j'ai jamais été très très bracelet. En revanche, j'adore les bracelets en cuir. Vraiment, je trouve que voilà, ça apporte une touche à une tenue. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça habille les poignets. Et bah, c'est vrai que quand on pense bracelet cuir, on pense assez facilement aux bracelets chez Hermès. Et c'est vrai que vous avez été plusieurs à me poser des questions sur les différents modèles, etc. Donc je vais vous faire un petit point bracelet Hermès. Alors moi, je possède des bracelets... Alors, je ne vous ai pas tout ramené, hein, c'est pas le but de faire du déballage. Je possède 4 modèles différents. Alors, ce qu'il faut savoir chez Hermès, c'est que vous avez toujours le choix de la couleur du cuir et de la couleur de la finition. Donc vous avez la finition argentée comme ça, voilà, classique. Vous avez une finition dorée et vous avez une finition or rose, voilà, enfin rose gold. Donc voilà, la différence va peut-être pas sauter trop aux yeux en vidéo, mais voilà, il y a celui-ci a un côté beaucoup plus rose et celui-ci a un côté beaucoup plus jaune. Mais c'est vrai qu'en lumière naturelle, ça se voit peut-être mieux qu'en vidéo. Donc vous avez le choix de ça. Les bracelets existent en plusieurs tailles. Donc moi, je prends une taille... je crois que c'est une taille 3, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Moi, je prends une taille 3. J'ai pas des poignets très fins. Voilà, c'est comme ça. J'ai un poignet plutôt fort, donc je vous conseille vraiment de mesurer sur votre poignet, en regardant sur le site, ils vous disent comment il faut faire, où il faut mesurer, et de vous fier au guide détail. Moi, c'est toujours c'est ce que j'ai fait la première fois, et j'ai jamais eu de problème depuis. C'est vrai que maintenant, j'ai les poignets, enfin, j'ai perdu un peu de poids, donc j'ai les poignets un peu moins dodus, donc mais je me suis pas... ils me vont toujours, ils ne me serrent pas et ils ballottent pas. Donc, je ne me pose pas trop de questions. Sachant que si vous avez possibilité d'aller en boutique, bah, c'est toujours mieux parce que vous pouvez essayer. C'est toujours pareil. Sinon, si vous n'avez pas possibilité, sachez que c'est très facile de renvoyer chez Hermès. Il n'y a pas de souci. Donc, si jamais vous vous êtes trompé dans la taille, si jamais vous vous rendez compte à réception que le modèle ne vous va pas, parce que des fois, ça peut être juste une histoire de modèle et pas forcément une histoire de taille en elle-même. Il suffit que le bracelet tombe pas. Voilà, si par exemple il tombe pas bien au niveau de l'os du poignet, bon, ça peut gêner. Voilà, n'hésitez pas, c'est facile de les retourner. Donc moi j'ai 4 modèles de bracelets différents. Donc j'ai d'abord le Kelly Double Tour, qui est un des plus connus dans la marque, qui est ce bracelet comme ceci, avec la boucle comme ça, très très reconnaissable. Qui est un bracelet que j'aime bien. Alors attention, parce que le souci de ce bracelet, c'est que bah, la boucle peut avoir tendance à s'accrocher un peu dans les vêtements, ce qui peut être un peu problématique. Moi, j'aime bien le porter printemps, automne, etc. quand j'ai des manches trois quarts ou un t-shirt ou une chemise manche relevée. C'est vrai qu'avec les pulls, des fois, c'est un peu chiant. Donc porter, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est des bracelets qui se portent quand même assez ajustés. Ça voit pas. Si ça ballotte, ça va pas être. C'est pas fait pour. Ça va pas être joli. Et c'est pour ça que moi, c'est des bracelets que j'aime bien, les bracelets en cuir, parce que justement, ça se porte ajusté, ça ballotte pas, ça bouge pas et ça me gêne pas. Donc voilà pour le Kelly Double Tour, qui est un modèle assez emblématique dans la marque. Donc celui-ci, c'est le coloris étoupe, je crois. Tout bleu, je ne sais plus, mais c'est un espèce de taupe un peu entre le marron et le gris. C'est un peu difficile à décrire, mais c'est une jolie couleur. C'est une couleur qu'on retrouve assez souvent chez Hermès. Ensuite, deuxième bracelet qui fait partie des bracelets assez iconiques chez la marque, si on peut dire, c'est le Rival Double Tour. Donc c'est ce bracelet avec l'espèce de boucle comme ça. Pareil, en double tour. Moi, j'ai tendance à préférer les bracelets double tour parce que j'ai des gros poignets. Et les bracelets un peu fins sur moi, je trouve que ça ne me va pas forcément super bien. Donc, celui-ci n'est pas toujours facile à attacher. Hop.
Voilà, donc portée, ça donne ça. Avec le, la tâche derrière. Donc c'est un bracelet qui du coup, lui, par contre, s'accroche pas et que je porte un peu toute l'année, que j'aime beaucoup. Pareil, assez ajusté. Alors le fermoir, ouais, par contre, n'est pas toujours... C'est un coup de main à prendre. Après, quand il est neuf, c'est un peu compliqué. Puis après, le cuir s'assouplit, donc c'est plus facile. Mais il se ferme comme ça. En fait, il faut passer le petit bitonio comme ça pour le fermer, ce qui n'est pas toujours très facile. Donc ça, c'est le Rival. Ensuite, troisième modèle que j'ai, c'est le Happy 3. Donc, c'est ce grand bracelet. Voilà, on dirait une grande ceinture. Oups là! Avec la boucle en hache. Donc j'en ai plusieurs. C'est un bracelet que j'aime bien. Il est assez simple, mais néanmoins, il est un peu moins, du coup, je trouve, reconnaissable que les autres. Voilà, les autres, ça reste quand même des modèles qui sont assez reconnaissables. Celui-là est un peu plus discret. Voilà, donc porté, il donne ça. J'aime beaucoup. Je trouve que ça habille vraiment bien le poignet. C'est voilà. C'est un bracelet que j'aime beaucoup, pareil. Qui ne gêne pas, qui ne voilà, qui se prend pas dans les manches, etc. Donc voilà. Ensuite, le dernier modèle que j'ai, c'est le modèle Be Happy. Alors celui-ci, c'est un modèle réversible. Donc moi, le mien, il a un côté rose comme ça et un côté marron-rouge. Donc il ressemble à celui d'avant. Pareil, la même petite boucle, sauf que lui, il fait que deux tours. Donc, il est beaucoup plus petit. Après, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est réversible. Donc, ça fait un peu un bracelet deux en un. Donc, voilà, ça donne ça. C'est mon premier bracelet Hermès. Ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai, je crois. C'était mon conjoint qui me l'avait offert. Voilà, il n'a pas bougé. Vraiment, je l'ai énormément porté parce que c'était le premier. Donc forcément, c'est toujours celui qu'on porte le plus. Mais ça vieillit super bien, franchement. Moi, je ne leur fais rien de particulier. Voilà, il y a à peine la marque, en fait, de la boucle. Voilà, le truc est nickel. Il n'a pas bougé d'un iota. La qualité est vraiment très, très bonne. Voilà, si vous avez un doute, parce que ça représente quand même une somme d'argent, c'est un investissement, sachez que voilà, c'est... Ça vieillit vraiment très très bien, le cuir est d'extrêmement bonne qualité. De toute façon, la maison Hermès est réputée pour la qualité de ses cuirs. Donc vraiment, ne vous posez pas la question de ça, parce qu'il n'y a vraiment aucun souci. Enfin voilà, moi j'y fais pas spécialement attention, à aucun moment ils se sont abîmés ou quoi que ce soit. Enfin, après voilà, il peut y avoir quelques micro-rayures sur les finitions métalliques, mais ça, bah, c'est un petit peu normal. En même temps, c'est des choses qui sont faites pour être portées et qui vivent. Hein, donc, c'est pas fait pour être mis sous cloche. Mais voilà, c'est des trucs qui tiennent vraiment la route. Moi, j'en suis très contente. Et c'est vrai que c'est des bracelets que je porte beaucoup, que je ressors beaucoup là, cette période-là, puisque je suis souvent en chemise, manches relevées, etc. C'est pas des trucs que je porte l'été en vacances, puisqu'en vacances, je suis assez minimaliste. Je porte... vraiment très très peu de bijoux, même mes bagues et tout, je les porte quasiment pas. Donc c'est vrai que, puis en général, je fais pas mal de sport l'été, donc oui. Par contre, pas de sport avec, pas de transpiration, pas d'eau, etc. C'est du cuir, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour ces bracelets. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais je n'avais pas répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, n'hésitez surtout pas en commentaire à me demander des précisions, j'y répondrai avec plaisir. Ce sera tout pour la mode. Voilà. Voilà, j'avais pas grand chose. Hein, comme je vous dis, c'est pas passé grand chose à ce niveau-là, c'est ce mois-ci. Puis c'est vraiment la période un peu bâtarde du. On a encore quelques trucs d'été, on commence à sortir les trucs d'automne, on sait plus trop comment s'habiller. Enfin, c'est pas la période que moi je préfère. Ça me. Ouais. Tu choisis, t'as froid le matin ou chaud l'après-midi, en gros. Voilà, ce sera tout pour la mode. On va passer à la catégorie lifestyle. Alors, j'avais envie de vous parler d'un bonnet de bain. Oui, parce que c'est ma nouvelle passion, c'est ma nouvelle lubie du moment, c'est la natation. Je me suis inscrite à des cours et tout. Enfin, bref. Voilà, à la base, j'étais persuadée que je détestais ça. Et finalement, je suis retournée à la piscine cet été. Et finalement, j'ai bien aimé et j'ai eu envie de prendre des cours. Parce qu'en fait, quand j'y allais et que je voyais les autres nager mieux que moi, j'étais un peu frustrée. Donc, je me suis dit, ah bah, autant prendre des cours.
Bref, donc en fait, quand tu retournes à la piscine, se pose la question du maillot de bain. Alors moi, c'est du maillot de bain, oui, c'est mieux, mais du bonnet de bain. Et c'est vrai que moi, j'avais un souvenir du bonnet de bain assez horrible. Le truc qui était immétable, qui, une fois que tu l'avais mis, il faisait comme ça et il se barrait. Le truc qui te comprimait partout. Enfin, t'avais l'impression d'avoir la tête dans un étau. Enfin, c'était l'enfer. Donc voilà, moi, j'étais restée là-dessus. Et j'ai découvert que ça avait évolué. En même temps, il s'était passé quelques décennies. Et en fait, je suis tombée sur ce modèle de chez Decathlon. Donc, c'est la marque Nabeji. Donc, c'est leur marque spéciale natation. Et en fait, c'est des bonnets en silicone qui sont un peu doublés comme ça. Je sais pas c'est quoi exactement. Mais ils ont l'avantage, je suis en train de regarder, mais... Non, je sais pas. Ils s'enfilent super facilement, quoi. C'est hyper facile à mettre, ça bouge pas. Parce que c'est vrai, le bonnet qui se barre, c'est un petit peu chiant. Ça bouge pas. Alors après, ça protège pas. Enfin, c'est pas ultra étanche non plus. Les bonnets de bain en silicone pur sont beaucoup plus étanches, mais beaucoup plus difficiles à mettre. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. Ça coûte pas cher en plus, donc vraiment... Si vous cherchez un bonnet de bain pas cher et pratique, je vous les recommande. Ensuite, je voulais vous parler du collagène. Beaucoup prennent du collagène pour des histoires de peau, de cheveux, d'ongles, puisqu'on dit que ça participe à une meilleure élasticité de la peau, une pousse des cheveux, des ongles, etc. Puisqu'en fait, on a naturellement du collagène, on fabrique naturellement du collagène, mais comme tout, passé un certain âge, ça commence un peu à partir en sucette. Donc on conseille souvent de prendre du collagène pour ça, pour tous ces aspects anti-âge. Moi, c'est pas du tout ça pour ça que j'en ai pris. En fait, j'ai eu, il y a 2 ans, j'ai eu un problème à un genou, enfin au tendon rotulien. Et j'ai été super mal prise en charge. J'ai fait en gros, je crois, 4 ou 5 mois de kiné qui n'ont servi absolument à rien. Donc en fait, ce qui fait que ma blessure a traîné, la douleur a traîné. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me soigner finalement. Enfin, la récupération a été vraiment compliquée. Et j'ai encore par moments des douleurs, sachant que, bien évidemment, comme j'ai compensé avec l'autre jambe, j'ai un peu des douleurs aux deux genoux. Donc ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que par moment, surtout à froid, je sens des petites... je sens que ça tire un peu. Je rappelle que c'est des douleurs, mais je sens que ça pique un peu. Et j'avais lu que le collagène était aussi très bon pour justement tout ce qui était tendons, ligaments, tissus conjonctifs, etc. Donc je me suis dit que j'allais essayer. J'en avais déjà pris, ça n'avait pas eu un effet... Ça n'avait pas eu un effet génial, mais en même temps, j'étais toujours en rééducation, alors c'était peut-être un peu... un peu tôt, enfin voilà, pour avoir vraiment pour vraiment sentir des effets. Donc là, maintenant ma rééducation est finie, donc il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Donc moi, je suis partie sur le collagène de chez M. Donc en fait, j'ai pris le cacao glow et j'ai au bureau, j'ai le matcha glow. Alors, donc tout le monde disait que le collagène de chez M était très bien. Donc déjà, je vous présente ça. Ça se présente sous forme d'une poudre comme ça. Voilà, il y a une petite dosette à l'intérieur. Je ne sais pas en mettre partout, mais il y a une petite dosette comme ça. Donc on mélange 2 cuillères dans soit de l'eau chaude, soit du lait chaud, un peu ce qu'on veut. Donc en fait, tout le monde dit que c'est hyper bon et que voilà, parce qu'en fait, le collagène, c'est à base de... Collagène marin, c'est à base de dose de poisson, etc. Donc... voilà, c'est un peu ragoûtant. Et tout le monde disait que non, ça n'avait pas de goût de poisson, etc. Que c'était hyper bon et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas hyper emballée. Je trouve ça... En fait, quand on le sent comme ça dans le paquet à froid, il n'y a pas d'odeur. Mais je trouve que quand on rajoute l'eau ou le lait chaud, etc. Et c'est pareil, je trouve, pour les deux que j'ai. Là, il y a une espèce d'odeur de poiscaille qui revient. Et je trouve pas ça terrible. Alors celui-ci, ça va, il n'est pas trop mauvais. L'autre, le matcha, vraiment, je le trouve vraiment pas bon. Enfin, ça passe, mais c'est pas ouf. En revanche, ça fait quelques semaines que je prends ça. Et j'ai l'impression quand même que ça marche. Je me suis l'impression que j'ai quand même moins de gêne. Donc je vais continuer, je vais voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, si vous vous posiez des questions sur les collagènes de chez M...
au niveau des goûts et tout, bah en fait, pour moi, ça vend pas du rêve et je trouve ça vraiment pas bon, quoi. Donc voilà. Donc ça passe, hein, mais je m'attendais, enfin avec le cacao, je m'attendais vraiment en tout cas à avoir l'impression de boire du chocolat et pas du tout. Enfin, il y a une espèce d'arrière-goût. Enfin, je trouve ça moi vraiment pas bon. Bref, après si c'est efficace, hein, je pourrais. Après, si j'ai déjà testé des trucs bien pires que ça, où vraiment ça puait le poisson à plein nez et ça avait un goût de poisson aussi. Donc bon, il y a pire. Ensuite, je voulais vous parler d'un vinaigre ménager de la marque Peacock. Alors, je vous en avais parlé dans une vidéo résumée du mois, mais il y a très longtemps. J'essaierai de vous retrouver ça. Donc, c'est le vinaigre au jasmin pêche. Alors, j'ai déjà testé une autre senteur qui ne m'a pas emballée. Je trouvais qu'il y avait quand même un relent de vinaigre pas super agréable. Mais celui-ci, je le trouve très bien. Alors, moi, je m'en sers essentiellement pour nettoyer mes tapis de sport, puisque je fais un spray nettoyant à base d'eau et de vinaigre pour voilà, les nettoyer, les désinfecter, etc. Mes tapis de yoga, mes tapis de fitness, etc., tout ça. Et celui-ci, je trouve qu'il sent bon. Alors par contre, c'est marqué jasmin, pêche, fleur d'oranger, ylang, abricot. Pas du tout, moi je trouve que ça sent les bonbons. Mais vraiment, ça a une odeur. D'ailleurs, mon conjoint m'a dit, quand j'avais, une fois que j'avais désinfecté les tapis, il me fait « ça sent la fraise tagada ». Donc voilà. Mais du coup, je le trouve bien. Il n'a pas cette espèce de relent de vinaigre. Donc je trouve vraiment pas mal. J'aime beaucoup celui-ci. Autant le précédent, je ne sais plus du tout c'était lequel, m'avait pas du tout convaincue. Autant celui-ci, j'en suis très contente. Enfin, je vais terminer avec la partie... j'appelle ça toujours série-livre, mais bon, il n'y a pas toujours soit de série, soit de livre. En l'occurrence, il n'y a pas de série, j'ai rien regardé à la télé. Je trouve que... j'ai pas passé beaucoup de temps non plus à regarder la télé. Je suis un peu tout le temps dehors, j'en profite. Je profite des dernières journées longues de l'automne, du beau temps s'il y en a un peu. Enfin, voilà, j'ai pas trop envie de me foutre devant la télé. Par contre, j'ai pas mal lu. Alors, j'ai terminé 3 livres ce mois-ci. Tout d'abord, « Se le dire enfin » de Agnès Ledig, ou Ledig, je sais pas. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un homme qui est sur le quai de la gare avec sa femme. Il rentre de vacances et puis il croise une vieille dame qui a un petit peu du... enfin, qui se galère un peu avec, avec sa valise. Donc du coup, il va l'aider. Et en fait, il part avec la vieille dame et il prend sa femme. Voilà. Parce qu'en fait, la vieille dame est une romancière anglaise qui va en forêt de Brocéliande, comme elle va tous les ans pour se ressourcer, trouver l'inspiration, etc. Et en fait, elle lui sort des trucs. Enfin voilà, elle lui dit que peut-être il trouvera des réponses à ses questions, etc. Enfin bref, il est un peu paumé hein, de base. Et donc, il part avec elle, effectivement, essayer de trouver des réponses aux questions qui se posent, voilà, parce qu'en fait il n'aime pas spécialement son job, avec sa femme ça va pas forcément si bien que ça, et il se retrouve en fait paumé dans une chambre d'hôte en plein cœur de Rossellon, et puis il rencontre tout un tas de personnes, enfin voilà, qui finalement lui change la vie. C'est une super histoire, en plus moi j'ai bien aimé parce que ça se passe pas très loin de chez moi, la forêt de Rossellon c'est vraiment pas loin. Donc voilà, je visualisais les lieux, enfin voilà, quand je voyais que ça parlait de certains endroits, de l'arbre d'or, etc., je voyais bien de quoi il s'agissait. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas mal accroché. Vraiment, c'était une jolie histoire. Je crois que c'est le premier livre que je lis de d'Agnès Ledig, je crois. Mais en tout cas, belle découverte, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le pacte d'Emma de, alors je sais pas trop comment ça se prononce, Nain Gorman, je sais pas. Alors ça, c'est un bouquin qu'on m'a prêté, je l'aurais pas forcément lu autrement. Alors, que dire, j'aurais pas forcément lu ça. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est malade, qui a une maladie un peu neurodégénérative, c'est pas facile à dire. Et voilà, qui fait une rencontre, alors c'est un peu difficile de raconter sans spoiler toujours, mais qui fait une rencontre d'un homme qui pourrait potentiellement la sauver, parce qu'en fait elle est condamnée.
Donc voilà, c'est un petit peu sa histoire. Donc après, c'est cette relation avec cet homme qui est un petit peu compliquée, parce que c'est un personnage un peu particulier. Je peux pas trop en dire, parce que sinon je vais spoiler. Puis ça finit un peu en queue de poisson. Voilà, j'ai pas trouvé ça désagréable à lire, je vais pas adorer. Mais ça finit un peu en plan. A priori, il y a une suite, donc il faudrait peut-être que je regarde pour lire la suite. Mais mi-figue, mi-raisin, c'est pas si mal que ça, mais... À la base, c'est pas trop ma cam non plus. Donc voilà, ça se lit quoi. Après, je vais voir si pour lire la suite, parce que ça finit vraiment un peu en autre boudin et j'aime pas trop ça en fait. J'aime bien savoir. Moi, j'aime bien quand ça finit et qu'il y a vraiment une fin quoi. Donc je vais peut-être voir pour lire la suite. Enfin, j'ai terminé un livre de Virginie Grimaldi qui s'intitule, on va y arriver, Et que ne durent que les moments doux. C'est un livre que j'ai adoré, vraiment, je l'ai dévoré. C'est l'histoire à la fois d'une jeune femme qui devient mère, mais son enfant naît prématuré, donc c'est un petit peu compliqué. Et en parallèle, il y a l'histoire d'une mère qui, en fait, se retrouve un peu à la retraite, puisque en fait, le dernier de ses enfants part s'installer... part s'installer à Paris pour faire ses études et du coup elle se retrouve toute seule et sa vie change et elle doit s'adapter à cette nouvelle vie parce que sa vie tourne un peu autour de ses enfants et là elle se retrouve un peu seule donc il faut qu'elle retrouve certaines habitudes, il faut qu'elle refasse un peu sa vie sans ses enfants finalement. Donc en fait c'est deux moments complètement différents, le destin de ces femmes se croise à un moment donné. Voilà, je peux pas trop en dire plus non plus, sinon je vais spoiler. En tout cas, c'est vraiment une très jolie histoire. C'est pas la première fois que je lis un livre de Virginie Grimaldi et j'avais lu, je crois, Il est grand temps de rallumer les étoiles ou quelque chose comme ça et j'avais adoré. Donc vraiment, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc pareil, je vous recommande. C'est un peu dans la même veine que ça. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de bouquin un peu. C'est plein de bons sentiments, c'est des belles histoires, mais ça fait du bien. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un podcast. C'est le podcast de Laurent Deutsch qui s'appelle, je crois, c'est Entrer dans l'histoire ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas noté le titre, c'est malin. En fait, c'est la chronique qui passe, je crois, sur RTL. Et il s'intéresse à un personnage de l'histoire à chaque fois. Donc moi, j'ai écouté plusieurs épisodes. J'ai écouté un épisode sur Cléopâtre. Un épisode sur Léonard de Vinci, un épisode sur Churchill, un épisode sur Rasputin, je sais plus, c'est des épisodes qui font entre 30 et 40 minutes. Voilà, moi j'aime bien cette... Alors moi je suis passionnée d'histoire et j'adore en fait ce genre de façon de présenter les choses. Voilà, c'est un petit peu drôle, c'est un peu décalé, c'est bien vulgarisé, c'est pas le truc chiant en fait, qui est rébarbatif, etc. Et voilà, c'est fun, c'est drôle, il y a des petites notes d'humour, il y a des comparaisons avec des personnages par exemple d'aujourd'hui, enfin voilà, c'est un peu décalé. J'aime beaucoup, j'écoute ça souvent quand je vais courir. C'est vrai que des fois en fait la musique, j'en ai un peu marre. Des fois, il y a des jours où c'est un peu dur, où j'ai un peu du mal à sortir, j'en ai marre, ça me saoule, j'ai mal aux jambes, etc. Donc j'aime bien mettre un truc qui me permet un peu de me mettre dans ma bulle et d'oublier que j'ai mal. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas mal écouté ce podcast ces dernières semaines et vraiment, c'est une belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez l'histoire, vraiment, je vous le recommande. Voilà, ce sera tout pour ce résumé du mois de septembre. Mais dites-moi, vous, quelles sont les choses qui vous ont plu ce mois-ci? Est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez lu? Voilà, si vous avez écouté des podcasts, si vous avez regardé des séries, si vous avez vu des films, des documentaires, etc. Quels sont les produits de beauté que vous avez aimés ce mois-ci? Enfin, voilà. Dites-moi ça m'intéresse. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!